Oui, bonjour. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, si jamais vous la regardez. Et si vous la regardez, bravo. Bienvenue pour cette extraordinaire session de Mario Tennis Aces sur Switch. On va faire du online. Oui. Et vous avez eu beaucoup de chance. Parce qu'en ce moment même, les gens qui regardent sur Twitch ont une qualité vidéo affreuse, scandaleuse, du 360p dégueulasse. Mais vous sur YouTube, oui, vous avez du 720p, c'est incroyable. C'est à la limite du regardable. Et bonsoir Aveline. Bonsoir, bienvenue, comment ça va? Qu'est-ce que... Oui, ben allô, lançons-nous. Et ça va bien, ça va bien, ça va bien. On va... Il faudrait un de ces quatre que je fasse au moins un tournoi classique, histoire de voir ce que ça donne. Mais... Ah, alors, faut pas te suicider, déjà. Trop de pression, hein. La pression pour pas de passer sur YouTube, c'est incroyable. La pression est trop forte. Mais non, on va faire du normal, on va gagner, j'y crois mort. Ah, bonsoir Momiji, merci pour le host. Merci beaucoup, comment ça va? Allez, on va commencer avec un petit Yoshi, parce que Yoshi, c'est quand même le perso du cœur, quelque part. Même si on va se faire péter le cul, parce que là, je me suis pas entraîné, rien. Et on est repassé à un ratio de victoire supérieur à 50%. Incroyable. Grâce à notre magnifique parcours hier pour aller en finale. Et ça, malheureusement, YouTube ne l'a pas vu. Parce que hier, on n'a pas enregistré. Mais là, incroyable, on enregistre. Vous voyez qu'on a des connexions qui sont mitigées, mitoyennes. Sinon, il a accepté. D'accord, je croyais qu'il avait refusé, mais pas du tout. On va donc commencer par un petit Mario. Oula, c'est lui qui sert en premier. Alors, il faut se remettre dans le bain. Ah. Juste se remettre dans le bain, mais apparemment... Faut aller plus vite. Oh là là. À cause d'avant... Ah bah oui, ah bah j'espère que tu vas t'en remettre quand même, parce que... Les installations, c'est pas très sympathique. Hein. Ce n'est pas très convivial. Non mais j'étais dessus. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça la gamin ou qu'est-ce qui se passe? Je suis nul, c'est ça? Merci pour le host, Aveline, merci beaucoup. Oh, GG. Oui, d'accord. Non, mais je suis devenu aveugle. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je suis devenu aveugle, et qu'est-ce qui se passe? Donc le vent fait passer à 60 moulas, GG. Ah ouais, moi aussi je peux le faire, hein, les amortis. Come on!
Mais je pense que vraiment Yoshi c'est trop compliqué en fait. Quoique. Que finalement, en réfléchissant un peu, ça peut le faire. Hein. En réfléchissant un peu, ça peut le faire. Hein. Il en est à sa dernière raquette, c'est une information importante à prendre en compte. C'est une information importante à prendre en compte. Et là en plus il n'a plus d'énergie, ce qui fait qu'on peut lui mettre des petites balles comme ça. Je crois qu'on est rentré dans sa tête. Je crois qu'on est en train de lui manger le cerveau. Oh, oh là là. Et je crois que j'ai pas fait exprès en plus. Et ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse un peu ce que j'ai fait. Ah, elle est faute. Bravo. Enfin bon, c'était un bon plat des familles. C'est vraiment un match d'un point de vue technique, c'est quand même assez catastrophique. Hein. Je crois qu'on peut le dire. D'un point de vue technique, c'est quand même. On est sur le fond du panier. Hein. Sur le fond du panier, mais bon, ma foi. Ma foi, parfois. Pourquoi il a pas tapé, ce connard? Pourquoi ce connard n'a pas tapé? Pas mal de son énergie. Pourquoi il va pas sur la droite? Pourquoi ma vie c'est de la merde à ce point là? Bon, tant pis, on avait pris le break, il reprend le break, ok, finalement. L'important c'est de ne pas craquer psychologiquement. Ah oui, non mais là, là mon gars, j'ai envie de dire.
Mais je comprends pas ce jeu. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible. Ça... Mais non, on a 4 barres. Je ne comprends pas parfois ce jeu. Ce jeu est étrange. Et je suis sûr que nos amis de YouTube sauront nous dire dans les commentaires. Évidemment. Pourquoi je suis... Je prends le. Bonjour. Ah non, j'aurais dû maintenir la pression, mais... C'est vrai que je peux aussi lui péter sa raquette, hein. Je peux aussi lui péter sa raquette et ça va devenir peut-être une stratégie gagnante. Hein. Là, peut-être c'est ce qui lui est arrivé. T'es sérieux? T'es sérieux, sac à merde de jeu? Putain, ah, merci. Tu m'as pas arrivé, oui. On aura quand même passé 10 minutes sur le premier tour. C'est vraiment... il lui est resté une barre, quoi. Une barre et c'était la catastrophe. Et il a environ 3 fois plus de points que moi. Merci, merci Aveline. Mais ce n'était que le premier tour. Ce n'était que le premier tour. Maintenant, nous allons affronter, évidemment, un adversaire beaucoup plus... problématique, mais j'ai l'impression quand même que Yoshi c'est compliqué. Ça manque de patates, Yoshi, si vous voulez, au niveau des frappes. Oh là là, en plus contre un perso défense. Un Waluigi, oh là là. Oh là là, j'ai peur. Faut être tout à fait honnête. J'ai des doutes. Yoshi, il a l'air moyen, très moyen. Ah, une erreur de communication est survenue. Figurez-vous. J'ai hâte de voir la suite. Ah bah écoute, déjà il faudrait que ça fonctionne. Ça c'est peut-être ma connexion. Ça c'est peut-être ma connexion de campagne qui fait que. Mais je ne doute pas une seule seconde que ça va bien fonctionner après. Ah. Donc finalement ça ne sera pas un Waluigi. Quoique. Ah et c'est un. Oula. Ah oui non mais non, une barre non quand même pas. Non, on a des adversaires avec qui on a une connexion décente. Donc on va essayer de trouver des adversaires avec une connexion décente. Ah. Ah bah il n'y a même pas de barre. 3. Non. Non, en plus c'est Waluigi. J'ai envie d'un peu de calme. Voilà. Non, parce que du coup... Mais oui, Yoshi, il a l'air moyen. Ah, ben voilà, une vraie connexion, j'en bouge.
Jean Bougie. Il faut la prononcer à l'anglo-saxonne. Bon, bah ça sera encore notre Mario, hein, finalement. Et c'est lui, encore une fois, qui sert en premier. Sur de la terre battue. Sur de la terre battue, pour l'instant, ça joue fair play. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, j'ai des traits de génie. Le problème, c'est que j'ai pas la suite. J'ai que les traits de génie, en fait. J'ai pas l'exécution du génie. Ah bah lui aussi! Regardez, lui aussi, finalement, je me sens moins seul. Quoique, finalement, on a des retours un peu bizarres. Hein. Je sais pas. Et en fait, je crois que je comprends pas encore trop bien certaines subtilités de ce jeu. Mais des fois renvoyé Celle-là c'était dégueulasse comme on est allé la chercher. Ah mais lui aussi il fait les mêmes erreurs que moi, c'est bon, je me sens moins seul. Ah ça fait plaisir hein. Ça fait quand même plaisir de se sentir moins seul. C'est contagieux, je crois que c'est ça, ouais. Faut savoir parfois faire un petit coup dégueulasse. Ah ouais, non, mais oui, apparemment, il est aussi nul que moi, en fait. Ça me rassure. Je me sens moins seul. Bon, bah, il y a des fois, par contre, c'est moyen. Mais sinon, à part ça... Je pensais pas qu'il allait tout claquer d'un coup, mais d'accord. Je pensais pas qu'il allait tout claquer d'un coup, mais ok. Petit assassinat, en bonne et due forme. Bon, finalement, moi je sais pas quoi vous dire. Hein. Troisième tour avec Yoshi. J'espère que vous appréciez le spectacle sur YouTube. Évidemment. Ah, là, par contre, j'avais plus de points. Donc, peut-être que... Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien. Hein, tout va bien. Hein, moi, je... Voilà. En tout cas, les Mario, ça nous réussit. Si on pouvait tomber que sur des Mario... Ah, non, évidemment. Évidemment qu'à partir de là, on va commencer à tomber que sur des Waluigi. Ou des Boo. Ça a l'air de tenir, je crois que cette fois on ne pourra pas éviter, on ne pourra pas couper, on ne pourra pas y couper. Hein. Sur un chomp, tu vas plus rien comprendre, si ça a un chomp, un bout ou un Waluigi, et là, c'est le drame. Oh là là, mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Là oui, mais évidemment, j'ai pas d'énergie, j'ai rien.
Oh là là, oh, ça va très mal se passer. Bah oui, quand même, là, je fous pas de ma gueule, hein, moi. Putain, j'avais presque une idée de génie, mais évidemment que non. Oh non, je suis rattrapé de toi, ouais. Putain, par contre, j'ai aucune énergie, lui, il en a trop. Là j'ai plus d'énergie là, on est d'accord. Ça va être chaud. Oh, mais c'est pas possible! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de sauver deux balles de jeu comme ça? Incroyable du cul! Incroyable du cul! Complètement déjoué quoi. En fait, il faut vraiment avancer sur le cours. Je crois que je reste trop en fond de cours comme un gros con. Et alors que en fait c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, c'est pas du tout rester en fond de cours. Je suis vraiment con, les gars. Mais alors ça voilà, ça c'est les trucs que... Bon, on a connu un 45 avant, hein, calmez-vous. S'il essaie de la reprendre avant, n'oubliez jamais un truc au service, au tennis. Si vous reprenez la balle avant qu'elle ait touché le sol, c'est faute. Hein. Et finalement, on reçoit encore deux balles. Alors là, c'était des balles de break. Tout à l'heure, c'était des balles de jeu. Mais là, ce sont des balles de break qu'on sort. Et on va avoir... Il a combien en raquette? Oh putain, mais tellement. Je te loupe pas. Hein. Il ne s'est pas loupé. Bravo à lui. Quoi vous dire, hein. Je sais plus quoi vous dire, moi. Finalement, une demi-finale avec Yoshi. Qui l'eût cru, hein? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Vraiment, moi, ça me fait plaisir en tout cas d'offrir un tel tournoi à mes spectateurs de YouTube. Ils sont très contents s'ils voient cette vidéo, hein, parce que c'est pas encore mieux que le club. Bon, bah, ma foi, allons-y, hein. La demi-finale.
la demi-finale, mesdames et messieurs. Incroyable du cul. Un niveau de tennis jamais vu encore. Pourquoi forfait? Oh là là, et voilà, et un Bowser jaune. Pourquoi forfait le Waluigi? Ah non, il a gagné par forfait, d'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Oui, il avait gagné son match, son match de second tour par forfait. D'accord. Oulala, ça a l'air dramatique. Ok, d'accord, donc il va faire ça, s'il fait ça à chaque fois. Et finalement, on l'a. Et finalement, il fait l'erreur. Que je lui laisse. Je pense que je lui laisse, en vrai. J'ai pas assez d'énergie. Vaut mieux que je l'économise, en fait. Vous voyez à quel point il peut rattraper tout. Tout de même. Il rattrape quand même beaucoup de choses. Hein. What? Non mais j'étais sur la trajectoire là. C'est insane à quel point tu peux tout rattraper avec ces personnages. C'est, ça n'a absolument aucun sens, mais... Il a quand même pas me prendre pour un con non plus. Pardon. Je suis à côté, je frappe et le personnage n'en a rien à foutre. J'adore ce jeu. Hop. Parfait. Bravo, merci. Recommence, essaie encore. Et voilà, ça se la pète. Et derrière... Bon, d'accord, ok, derrière, je l'ai pas pris, sinon... Il va la refaire. Moi aussi, hein, je peux arriver à les récupérer. Hein. Je comprends pas en fait des fois pourquoi le perso. Si tu le sais sur YouTube, dis-le moi. Vite.
Mais voilà, les persos de défense. Tomber sur ça, sur... De toute façon, je crois qu'à partir de la demi, vous avez quasiment que ça. Bon, sauf moi qui arrive avec un Yoshi défago. Un Yoshi dont personne ne sait trop comment il est arrivé là, mais il est là. Il est présent. Bon, hier, on était allé loin avec Harmonie. Harmonie, c'était très très bien passé. On peut retenter, par exemple, une petite pitch. Juste pour le plaisir. On retentera peut-être encore une... Moi, avec Harmonie, hein. Il a vu la finale, hein, mais un jour on gagnera. Oh là là, Wario. Donc, ça risque de très mal se passer cette affaire. Mais c'est vrai qu'il faut que je pense plus à faire des amortis, ce genre de choses. On va essayer d'y penser. On va essayer de jouer mieux, d'être meilleur, le beau jeu. Avant tout le beau jeu. Mais c'est vrai qu'on a envie de frapper la balle, on a envie de cogner comme des gros lourds. Quand même, merci. À force. Ah non, et là je pense pas vouloir faire une frappe étoile et je suis jamais sur la bonne place du coup. Voilà, on va la placer un petit peu hors de portée. Ok, ça a l'air de bien se passer. Oh là là, il a pas d'énergie. Terrible pour lui. Terrible pour lui. Ça va, c'est bon là. Pour l'instant, tout va bien. Le premier tour. Bon courage pour demain. Avi, merci d'être passé. Merci d'avoir suivi, évidemment. Et bon courage pour demain, alors. Bon courage pour cette grosse journée. Et à bientôt. À demain. De toute façon, là, je pense qu'en ce moment, ça va être du Mario Tennis à fond. Tout à fait honnête. Celle-là, j'ai du mal à la rattraper. Et lui dit... Allez, 3 balles de match, ça doit le faire. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. En fait, il faut vraiment avancer dans le temps. Il faut que j'arrête de coller la ligne arrière comme un gros débile. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut avancer dans le cours. Faut pas avoir peur, faut aller au contact. Faut aller chercher l'adversaire, faut lui dire bonjour. Et du coup, quand on est à peu près au milieu de la bande, on n'est pas en fond de cours. Mais qu'il est con. Du coup, on est un peu aussi protégé des lobes et des amortis. Bon, alors lui, par contre, il a accédé directement au deuxième tour. Ça veut dire qu'il a déjà gagné un tournoi, donc attention.
Mais pourquoi, pour ça, pourquoi Non mais c'est immonde, ce qui renvoie, c'est immonde. J'ai déjà pas d'énergie. Mais sérieusement, vous avez vu la vitesse à laquelle il renvoie ça? C'est hallucinant. Et l'autre avant ne l'a pas fait, hein. Il va falloir être solide. C'est hallucinant. Ça, par contre, c'est vraiment un truc que je comprends pas. C'est comment ils font. Alors, c'est vrai que c'est un perso puissant. Ceci expliquant peut-être cela, mais. Mais tout de même, quoi. Ah ouais, mais quand même, là, ça fait pas de ma gueule. Super bon balai. On est solide. Il faut vraiment les balader en fait avec lui. Je crois que c'est ça le plus. Il faut vraiment arriver à balader l'adversaire. À partir du moment où on arrive à leur faire faire des gauches droites à l'infini. C'est là où ça devient assez plaisant. Oh oui, et il a plus droit à l'erreur. On va pas prendre de risques. Il était court. Bon, du coup, le début a été compliqué, mais on s'est bien repris. Ah ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment arriver à le mettre hors de position pour... Pour choper le truc bien. Parce que sinon, dès qu'ils arrivent à vraiment charger leur frappe, elles deviennent absolument. Ok, et là, le petit service qui fait plaisir. Est-ce qu'elle a touché le sol? On ne saura jamais, mais on va dire que oui, et finalement, voilà. Et on repart, et finalement, on regagne à nouveau. Oh là là, mais attendez, il était censé mettre 25-0, là. Incroyable. Eh bien, affrontons notre adversaire, oui. En troisième tour.
à nouveau, le troisième tour. On retrouve. On est sur une belle série, hein. Trois troisième tours minimum. Même deux demi-finales d'affilée. Oh là là, et voilà. Et brillant. Et brillant, brillant. Danny brillant avec son bout. Et là, c'est le drame. Eh ben non, j'aurais préféré un Wario. Figure-toi, parce que là... Mais c'est, il faut s'entraîner. Voilà, on va perdre, certes. On va perdre, mais... Voilà. Voilà. Ça va être immonde du début à la fin. Mais... Ça va être immonde du début à la fin. Faut vraiment que j'avance. Faut que j'avance direct dans le... Faut que je coupe direct les trajectoires. Il y a même pas réfléchir. Voilà, c'est jusqu'au moment où il va commencer à penser au lob. Pas le laisser installer son jeu. Les gens sont pas marrants. Ah non, mais les gens sont là pour gagner, hein. Faut bien se dire un truc, hein. Les gens sont là pour gagner, hein. Mais on peut voilà, le truc c'est qu'ils sont habitués à installer leur jeu. Si on arrive à leur casser leur jeu, oui, si on arrive juste à trouver la bonne technique pour casser leur jeu, oui, là il réfléchit, là il sait plus, oui, là il sait plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Je sais plus. Voyez. Ouais, les gens ils sont habitués et puis dès qu'on trouve le truc, paf. Bon, Peach pas mal aussi, hein. Pas mal aussi, hein, Peach. Il faut avancer dans le cours. Il faut jamais reculer. Il faut jamais les laisser. Il faut jamais rester fond de cours. Il faut aller devant. Il faut aller au corps à corps. Il faut aller au contact. Toujours. Et un Waluigi. J'ai envie de dire oui. Évidemment qu'on est obligé de rencontrer un Waluigi. Bien entendu. Bien sûr, madame. Il a gagné par forfait avant. Attention. Bon, en tout cas, troisième demi-finale. Hein, si on compte celle d'hier. Ah, bien sûr, le Wolverine, bien sûr. Bien sûr, le Waluigi, bien sûr. Dommage. On était bien parti, il y avait un truc, mais...
y avait un truc, mais c'est bon. Aïe aïe aïe. J'y ai pas cru, mais Non, t'es sérieux? Oh, je passe devant et comme un con, je la reprends pas. Dans le rouge. Oh là là. Oh, il s'est chié dessus. Il s'est fait caca dessus. Il faut jouer avec le cerveau de son adversaire. Il faut jouer avec le cerveau de son adversaire. C'est très important. Et oui, ça se décale sur la droite, ça se décale sur la droite. Ok. Il a combien de liens? Il a pas chou. Aïe aïe aïe. Ok, ça fait une, très bien. Oh non, on n'a pas le droit, on a 3 balles de match, Oh évidemment. Non, t'es sérieux? Oh là là, oh là là. Terrible. Ah là là, c'est terrible, on était bien parti. Ne pas se louper. C'est pas trop mal. Il a combien d'énergie? Okay.
Et ça va en finale, bordel de merde. Incroyable du cul. Incroyable du cul. Oh là là, serait-ce enfin, serait-ce ce soir. Ah, merci mon DJ. Merci beaucoup. La finale avec Peach. Finalement, Peach. Hein. On se disait, c'est compliqué. Pas forcément. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va trouver en finale? Oh! Le duel miroir. Incroyable. Ah bah oui, évidemment. Peach contre Peach. Peach, mon Peach. Alors, je peux vous annoncer, le bruit arrive. Putain, mais j'y croyais tellement. Je peux vous annoncer en exclusivité que une Peach va gagner cette finale. Laquelle on ne sait pas. Quelqu'un qui est pas sale. Ouais, mais ça m'étonne. Mais je pense qu'il doit bien jouer pour le coup. Parce que c'est pas donné. Hein. Ouais, enfin, quelqu'un qui se respecte. J'avoue. Je suis content. Et peut-être que lui en face il se dit aussi putain incroyable une Peach quoi. Tu sais c'est tu te vois et tu te rends compte et tu te dis ouais. Tu reconnais l'autre en face. Tu sais que le mec t'as du respect pour lui. T'as avant tout du respect. C'est moi qui sers en premier. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse plus de lobes. Ah ouais. Non, il joue bien. Il joue très très bien. Y a pas à dire. Y a pas à dire. Y a de la maîtrise. Ouais, le lobe en fond de tour, il est violent. On va essayer d'aller la chercher. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, t'es sérieux? Oh là là, bon, GG à lui, il est vraiment allé la chercher, hein, pour le coup. Mais il faut vraiment que je pense au lobe. Il faut vraiment que je commence à penser au lobe. Et du coup, il y a vraiment. Avec Peach, il y a vraiment des trucs à faire comme ça. Bon, allez, on va essayer de pas. Oh, c'était chaud, madame. Oh, c'était chaud.
Je déteste ce jeu pour ça. J'étais dessus, j'étais à peu près sûr que j'allais pouvoir faire une grosse frappe et non. Oh là là, c'est terrible. Oh non, pas comme ça Zinedine. Pas ça Zinedine, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Oh là là, oh c'est terrible. Ah, oh, je suis déçu de nez. Terrible. On en est à quasiment une heure de vidéo pour YouTube. Donc du coup, on va couper la vidéo là. Quelle heure est-il d'ailleurs? Enfin, pour moi, hein, pas pour les gens qui regardent YouTube. Et en tout cas, si effectivement cette pitch méritait d'être là et a mérité sa victoire, c'était beau. C'était une belle finale. Je pense que j'ai compris. Enfin, faudra que j'analyse son jeu pour m'améliorer, évidemment. Ah ouais, c'est chaud. Hein. On va peut-être pas relancer un tournoi dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à analyser. Le Dogo derrière, tout à fait. Oui, un peu. Attendez, est-ce qu'on le voit? Ça, c'est pour YouTube. On le voit pas. Non, il faut que je me penche de l'autre côté. Attendez. Incroyable YouTube. Regardez. Tout d'un coup. Pas sur internet. Pas l'air de. Comment dirais-je? C'est dur la vie de chien qui peut dormir sur une banquette. Faut pas faire ça. Hein. J'ai essayé de lutter, mais à la maison, c'est moi qui ai gagné. Donc du coup, maintenant, la banquette, elle a mouru. Je pense qu'elle est déçue. Elle est déçue par cette finale. Encore une fois, une Henri Lecomte. Terrible. Mais un jour je serai Yannick Noah, je serai le Yannick Noah de la Switch. Je n'en doute pas une seule seconde. En tout cas, ce jeu est vraiment sympathique. Hein. J'espère que c'est agréable à suivre. Même si, alors, pour ceux qui sont sur Twitch, c'est un petit peu dégueulasse à regarder. Si vous le regardez sur YouTube, bravo à vous. Et en plus, vous avez normalement du 720p si tout a bien marché. Voilà. Mais j'espère que c'est agréable. J'espère que vous aimez le spectacle proposé. Voilà, ici, on est là pour faire du beau jeu. On n'est pas là pour sortir des Waluigi. Voilà. Non, nous on joue le beau jeu. On se fait arnaquer sur Twitch. Ah ben oui, mais vous êtes toujours fait arnaquer sur Twitch. Hein. Quoique sur YouTube, faut avouer. Enfin, je dis ça. Attention. Excuse-moi, Google. Ok, Google. Pardon. Et pardon, Amazon. Évidemment. Oui, bonsoir, Mizu. Ben oui, c'est ben justement, j'allais pas tarder à aller me coucher, tu vois. J'ai pas. En plus, maintenant que t'es là, du coup, je vais pas rester. Tu vois. Ça serait con. Ça va quand même, sinon. Beaucoup d'amour sur Twitch, beaucoup trop. Bon, du coup, on va dire au revoir aux gens qui regardent sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi sur YouTube, évidemment. Très rapidement, peut-être d'autres tournois de Mario Tennis Aces, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Moi, je sais pas, je connais pas. Il y a des trucs là. Ah oui. Alors oui. Ah. Ça y est, je sais. Si il faut absolument que vous laissiez un commentaire et un pouce. Parce que sinon, des bébés chatons meurent. Et vous aimez les bébés chatons. Enfin, je veux dire, voilà, vous les bébés chatons, vous avez envie de leur donner de l'amour, comme tout le monde. Donc vous n'avez pas envie de les voir mourir. Donc il faut absolument... que vous laissiez un commentaire, un pouce bleu, sachez-le, le petit pouce et le commentaire, c'est 5 chatons sauvés. Il y a une carte Google Play. Ah oui. En plus, il y avait des... Alors vraiment, si vous avez sauté jusqu'à cet instant, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi, il faut vraiment
que vous regardez la vidéo avant. C'est super important. Il y a des cadeaux, il y a des giveaways. Mais ça, c'est pareil. Il faut laisser un commentaire pour les voir. C'est technique, hein. C'est des nouvelles strates sur YouTube. Vous inquiétez pas. Bon, allez, bisous les gens sur YouTube. Merci d'avoir suivi. À bientôt.